Donc, euh, voilà. Maintenant, crise du logement. Comme je vous disais, Lièvre a fait une allocution. Euh, il parlait littéralement d'une bulle immobilière euh, sur le point d'exploser. Euh, le Canada est particulièrement touché euh, par, euh, par euh, l'augmentation euh, des coûts euh, d'immobilier et des loyers. Euh, je vais vous montrer vite, vite, euh, si on compare la situation par rapport aux États-Unis. On voit ici, c'était la crise là, de, de 2008. Donc, la bulle, bon, qui éclate et bon, tout retombe. Bien, c'est dans le Canada. C'est comme si on n'avait jamais vraiment connu la crise de 2008 parce que ça a juste continuer. Bon, c'est sûr et certain qu'il y a un problème hein, avec l'immobilier, il y a un problème avec le logement, euh, et euh, ça devient euh, vraiment trop cher par rapport au salaire moyen. Là, après, on voit que Justin Trudeau euh, veut, euh, veut euh, tripler ben, en fait il se fie justement à la Century euh, Initiative, là, un, un groupe de lobby qui, qui voudrait tripler la population canadienne dans les prochaines années. Et là, en même temps, justement, on a cette crise du logement. Bon, je tiens quand même à vous rappeler euh, que euh, euh, <laughs> je vais pas faire mon jamboulet de moi, là, mais euh, comme le dit cet article-là du Soleil, euh, effectivement, 85% des immigrants s'en vont tous à Montréal. On le sait que la crise du logement est pire à Montréal, est pire dans les milieux urbains. Eh bien, tout le monde s'en va à Montréal. 85% des immigrants. Je parle pas ici de leur emploi, je parle pas ici euh, de leur langue, mais euh, le fait est que la statistique est vraie. Euh, et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit s'attendre dans les prochaines années à avoir une crise du logement qui va s'accentuer si en plus on fait venir plus de monde alors qu'on n'a pas réglé nécessairement cette crise-là. Ben, évidemment que ça va créer euh, un problème majeur. Ils disent même, justement, dans, dans, dans cet article-là. De plus, il faut s'assurer que les régions ont les services nécessaires pour les immigrants. Les enjeux qui reviennent de plus en plus quand on parle des travailleurs temporaires, c'est vraiment le logement, le transport et l'accès aux services de garde. Et on veut faire venir plus de monde. Et on, a, on est en crise du logement. Donc, oh, écoutez. Ces deux sujets-là sont indissociables. Le sujet de l'immigration et du logement, euh, au bout du compte, vont nécessairement influencer, s'influencer l'un et l'autre. Il faut prendre ça en compte.